donc le burger chauve-souris ail, steak haché, le fromage pepper jack, bacon, tomate, salade roquette, salade de butternut, des pickles de trompette de la mort, oignon rouge à l'huile de courge. J'espère qu'ils sont pas confits. Non, super. Ils ont l'air crus. Doritos Sweet Chili. Ah oui, à mon avis, il doit y avoir des... C'est piquant, ton avis ? Non, Sweet Chili, c'est doux. Ah. Non, c'est pas du tout piquant. Crème au poivre fumé. Voilà. Et des frites de patates douces. On a voulu prendre le cocktail, je sais pas si on le voit. Le cocktail, là, celui-là, là. À la mangue et tout. Et en fait, ils ont plus de nectar de mangue. Déjà en rupture, ça vient de commencer. Voilà, donc du coup, on a pris une citronnade, parce que ça, on connaît. Elle est bonne, on est habitué. Mais bon, c'est dommage, on voulait tester le cocktail Halloween. Ça, c'est quoi ? C'est des gnocchi. Ça, j'aime bien. Les frites de patates douces, elles sont vraiment pas mauvaises. Hein. Bon, passe aux choses sérieuses. Bon, ouais. Ah. Hop là. Alors ? Ouais, c'est bon. Je préfère celui-là, celui qu'on a mangé avant-hier. Dans la vidéo de la soirée passe annuelle, on était au Hyperion. Et donc le hamburger au potiron que l'on a mangé, c'était en fait le menu Halloween du Hyperion, du café Hyperion. Voilà. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez aller voir la vidéo sur la soirée des vilains. C'est ça. Voilà, voilà. Moi, du coup, je vais le goûter. Toi, t'as dénommé. Non, je vais aller. Super bon. Burnt lips when the wind blows. Black tint on the windows. I can't see what the future holds, but I wanna know. I tiptoe on the dirt road. Too hot for the devil. I can't see what the future holds, but I wanna know. It's like hearts don't bleed like mine. All we need is time. C'est plus bon. Salut. Comme vous avez vu, on est direct allé chez Annette. Ouais. Parce que on est arrivé à 10h30. Ouais, sur le parking. Hein. Ouais, 10h30. Et du coup, il y avait déjà plein de monde. Ah ouais. Donc du coup, on a décidé d'aller manger tout de suite. Je me suis dit, on va pas perdre de temps parce que là. C'est ça. Donc le menu était excellent. Ouais, le sandwich. Vraiment très bon. Voilà, par contre, il n'y avait pas le cocktail. Non. Ça c'était embêtant. Déjà en rupture pour le nectar de à mangue, hein, c'est ça. C'est ça. Donc ça y est, la saison d'Halloween est officiellement lancée. Ouais. Donc là, le programme aujourd'hui, on va essayer de faire les spectacles. C'est ça. Voir tout le parc. Parade, le spectacle nocturne. C'est ça. Et puis les décos. On va essayer d'aller au Nucky Nuggets tout à l'heure, au Victoria. Ouais. Et puis voilà. Et puis oui, parce que c'est notre première saison d'Halloween. C'est ça, exactement, la première. Tout à fait. On n'est jamais venu. Voilà, c'est ça. Bon, allez, let's go. C'est parti. Donc on a essayé d'aller au Victoria. Ouais. Essayer. Oui, on faisait la queue et du coup, le cast member est venu nous voir. Comme quoi, à 2h moins le quart, ouais. Sachant qu'il ouvre à midi. Hein. Ouais. Plus de pâtisserie déjà Halloween. Un peu dégoûté. En plus, on voulait vous les montrer, on voulait tester ouais. aussi. Pour la première journée, c'est moyen quand même. C'est ça. Donc, tant pis, hein, malheureusement. Non, parce que rupture de stock à Annette, rupture de stock au Victoria. Oui. Donc, vraiment abusé, quoi. Ouais. Donc là, du coup, on va aller voir pour essayer de faire Phantom Manor et Pirates des Caraïbes. C'est ça. Tu continues de voir s'il y a d'autres personnages. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'il y avait. C'était qui avait au château tout à l'heure ? Il y avait la méchante reine. Ouais. Maléfique, apparemment. Ouais. Et j'ai cru voir Cruella aussi. Ah oui. Dans les stories des autres. Mais du coup, ouais, on est arrivé, vu qu'on est arrivé un peu plus tard. Ouais. On les a pas vus, peut-être qu'elles vont revenir tout à l'heure. On verra ça, ouais. Et après, forcément, on va faire les deux parades. Ouais. De Mickey, là. Le show Halloween. La célébration de Mickey ouais. Halloween.
Enfin voilà, bon bah on se dit à tout à l'heure, hein, voilà. En tout cas il fait beau, ça c'est pas mal quand même. Un peu trop chaud, ouais. J'avoue, oui, pour un 1er octobre... Parce que t'es toujours malade. Oui, je suis toujours malade. Je pense, vous l'entendez, c'est un peu mieux que vendredi au niveau de la voix, mais bon. C'est bon comme ça. Donc voilà. Bon, bah allez, à toutes, hein. Sleeping through the evening, singing dreams inside my head. I'm heading out, I've got some ends who say they care and they just might. I run away with you if things don't go as planned. Planning big could be a gamble, I've already rolled the dice. I spit and stutter, stuff and clutter, worries in my worried corner. Maladjusted, just untrusted, rusted, sometimes brilliant, busted thoughts. Think I'll stay for a while. Ça va être pas parfait. Et ça, c'était quoi déjà? Biscuit d'abricot. C'est joli, il y a des paillettes, franchement. Super joli. Bon, toi, à mon avis, tu vas préférer le biscuit parce que bah, clairement, t'aimes pas la meringue. Donc, au moins, il n'y aura pas de jaloux, chacun son truc. T'as pas envie de manger dedans? Parce que c'est trop bon en fait. C'est vraiment chiant à manger les meringues. Ça en fout partout. Là. C'est très joli, mais c'est une meringue quoi, donc rien d'exceptionnel. Par contre, c'est super beau. C'est bon, oui. Mais j'adore les meringues donc. Ouais. Et moi, du coup. Ça a l'air sec ton truc, non? D'accord. C'est ça? Bah, c'est sécos, ouais. Ah, fais voir. Vache. Je te fais pas goûter la meringue, toi. Un coup, c'est tout fait. Ouais. Non. L'idéal, faudrait un petit chocolat chaud ou... Un petit verre de lait, ouais. Ouais, ou voilà, ouais. Ah, non. Mais c'est bon. Bah, c'est un bon biscuit, mais c'est sec, quoi. Voilà, pour un biscuit sec, c'est bon, mais par contre, attention, c'est... T'as envie de le tremper dans quelque chose. C'est sec, quoi. Ouais. Contre la meringue. Ouais. Mais bon, après, c'est tout mignon, hein, voilà. Ces petites gourmandises, vous pouvez les trouver au petit kiosque qui est en face du Last Chance Café. D'ailleurs, le Last Chance a réouvert aujourd'hui. Très bonne nouvelle, nous on adore aller là-bas. Ouais. Les bouchées de poulet sont parfaites. Et vraiment en termes de qualité-prix, c'est vraiment top. Hein. Je crois que c'est 8 euros. Est-ce qu'ils vont les augmenter encore? C'est ça. Donc c'est vraiment en face du Last Chance, derrière le Thunder Mesa. Voilà. Et ils prennent pas les remises pass annuelles. Donc là, on a fini la parade. Oui. Franchement, pour une première. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi. J'avais vraiment la chanson dans la tête après. J'avoue, ouais, vraiment super sympa. Donc, les pétards qu'il y avait. Ouais, ça a bien pété, ouais. Limite, je m'y attendais pas, j'avais que vu, c'est les bouchées quoi, parce que je suis sensible des oreilles. Ouais. Mais vraiment trop joli. Mais validé. Et donc là, on va aller au Lucky Nuggets parce que bah, à cette heure-là, il n'y a pas grand monde. Non, on va profiter, ouais. Voilà, donc pour tester l'autre hamburger, différent de celui des Honnêtes, ouais, et une glace. Donc c'est quoi? Alors, le Moi Haha Burger. Donc le burger, ok. Donc il y a quoi dedans? Pain à l'encre de seige, steak haché de bœuf, bacon, fromage, pepper jack, roquette. Compoté de potiron pomme châtaigne, sauce à la crème ou poivre noir. Accompagné de frites, Doritos, sweet chili and sauce à la crème et au poivre. Et le sundae? Alors le sundae, c'est Madame Léota sundae. Ok, et donc c'est quoi, glace saveur chocolat? Alors glace saveur chocolat, sauce caramel, beurre salé, morceau de cookie chocolat noisette et perles de céréales croustillantes. Et bah ça a l'air bien bon, donc on va aller voir tout ça. Et pareil, donc les petites lanternes, c'est ça? Ils ont attendu que la saison commence officiellement. Parce que quand on y était vendredi et jeudi, elles n'étaient pas allumées. Du coup on s'est dit c'est bizarre, pourquoi c'est pas allumé? Mais et là même assez tôt, c'est déjà allumé. Ouais, ça commence à clignoter. Ça a l'encre de sèche.
Qu'en penses-tu, petit? Pour l'instant, c'est bon. Ah, ça commence à venir. Oui, non, mais attends. Attends. ou alors, c'est moi qui ai une bouchée. Bah, pour l'instant, je trouve ça excellent. Ah, il est très bon. Et pourtant, il me semble qu'il y a du potiron dedans. Par contre, non, c'est bizarre, parce que ça pique, mais je trouve moins que le casa pour l'instant. Voilà. Bah après, je te dis, voilà, il suffit que la sauce, ça soit... Peut-être que t'en avais plus. Parce que aussi. Oui, parce que du coup, on l'a coupé en deux, voilà, donc... Et entre lui... Ah oui, ça y est, ça vient. Ah, je pense que c'est parce que je suis pas tombé dessus. Et bah voilà, attends, tu sais, hein, je suis pas fou. Ah. Entre lui, celui d'Anès, tu préfères lequel? Moi, je préfère celui-là. Mais... Franchement, les deux. Bah, enfin, attention, mais, je préfère celui-là bah, d'un tout petit peu. Mais je m'attendais à pire de ce que tu me disais. Bah, à croire qu'ils ont mis toute la sauce piquante de mon côté. Ouais. Non, parce que vraiment, c'est pas pour faire genre, mais moi je trouve qu'ils piquent plus que Casa. Enfin, moi, la partie que j'ai mangée était vraiment épicée, quoi. Ah, j'ai peut-être de la chance, hein. Ouais. Oui, tiens, moi, les frites, c'est quoi? Il y a de la sauce dedans avec des chips. Mais du coup, là, c'est sauce au poivre aussi. Ah oui? Là, en veux-tu, en voilà. Ouais, le pain hamburger, il est noir, mais il n'a pas de... Non, mais c'est pour la couleur, en voilà, fait. Mais c'est vrai que c'est perturbant de manger du noir. Voilà, ça... Donc, tu manges du charbon, quoi. C'est ça, mais ça n'a pas un goût particulier. La tête, elle est trop marrante. Je peux la manger? Bah, vas-y. Oui, bon. T'en fiches? Oui. Allez, à moi l'odeur. De toute façon, c'est du chocolat, non? Oups. Ouais. Tiens, on va couper ça. Ouais. Ah non, ça va. J'ai pas le chocolat noir. Ouais, c'est bon. Mmh. Par contre, il y en a en dessous. Moi, j'aime bien. Mais toi, je pense pas que ça va être ton délire. Bah, j'ai peur que ce soit trop fort en chocolat. C'est ça, en fait, ouais. C'est vachement chocolaté. Et faut savoir que... Donc là, il est quasiment 18h. Ouais. En fait, on y est allé juste après la parade. La dernière parade. Comme ça, on était sûr de pas avoir trop de monde. Il y avait personne. Et jackpot, on avait raison. C'était super calme. Et du coup, ouais, il y avait quasiment personne. Et en fait, 5 minutes après s'être installé, j'étais choqué. On a reçu le plat. Mais même pas 5 minutes. Ouais, je pense s'est installé et il nous l'a porté quoi. Donc voilà. Dans les minutes qui a suivi. Comme quoi, manger en décalé, c'est toujours intéressant. Ouais. Chiefmakers and mysterious hosts. Mais maintenant, il est temps pour les méchants Disney de montrer leur puissance. It is time for the Disney villains to show their power. So let's get wicked!
donc pour notre première Halloween, beaucoup de choses à dire. Donc on va pas répéter, hein, les parades super. Ouais, très donc, content des parades. Vraiment les décors géniaux. Non, super, vraiment rien à dire, ouais. Génial. Par contre, donc oui, pour le spectacle du soir, là, oui. Bon, on a eu un gros coup de flip. Parce qu'en gros, ils ont annoncé Dreams et ils annonçaient pas le spectacle. Ils parlaient que de Dreams, ouais. Voilà, donc on s'est dit, attends, on a attendu parce que, bah, vous verrez, j'ai attendu longtemps pour avoir vraiment une très très bonne place. Donc on s'était dit, attends, non. Bah oui, là, puis en plus, c'est surtout que ça devait commencer à 40 ou 45. C'est ça, exactement. Et puis 45, toujours rien, 50, toujours rien. Et au final, ça a commencé à 55. Ouais, ouais, par là, ouais. Enfin bon, bref, donc on a pu le voir, on a pu le filmer. Pas incroyable, non. Mais bon, bah, voilà. Et puis après Dreams classique et du coup il n'y a plus la version Un monde qui s'illumine en version slow après Dreams, donc c'est un autre post show mais qui apparemment oui je voudrais me dire quelque chose, j'avais déjà vu à l'époque, voilà, ouais, mais il y a longtemps. Ouais, là, parce que faut remonter dans les souvenirs, mais magnifique, j'avoue, moi ça m'a bien ému ce petit passage, surtout quand ça fait longtemps, bah oui, donc ouais. Très joli, enfin voilà, mais sinon les hamburgers de la journée, excellent. Ouais, donc franchement, top. Vraiment, non, ce qui était pénible, c'est que je voulais vraiment tester les petits gâteaux Victoria. Et, ah oui, voilà, voilà. Seul point journée, négatif, Victoria. On voulait faire un tour de voiture, voilà. Aussi dans Main Street, il n'y avait pas. Oui. Et bah après, dimanche, après on y sera le 15. Oui, non, c'est sûr. Le 15 et le 16 pour c'est les 100 ans. On ira dès le début cette fois. Donc du coup, le 15, on retournera au Victoria. Ouais. On verra peut-être que du coup, j'espère qu'ils auront les pâtisseries c'est ici. Ça. Et vu que c'était dimanche, il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Oui, nous on vient jamais le dimanche. Ah, c'est horrible. Bah, surtout le dimanche et le premier jour d'Halloween. Mmh, c'est donc ça. Là, c'était compliqué. Hein. C'est ça. Ouais. Enfin voilà. Mais super journée. Ouais, sinon c'était bien. Bon. La fin s'est bien rattrapée. Ouais. Et bah sur ces belles paroles, on se dit à la prochaine. Bah du coup, normalement, prochaine vidéo sur le parc, ça sera pour les 100 ans. Ça, j'ai hâte. Bah, on sera le 15, donc du coup, on ira au Santa Fe, on vous fera une vidéo sur le Santa Fe. Ouais, ça sera la première fois en plus. Voilà, parce que première fois au Santa Fe, et forcément, le lendemain, le 16. C'est ça. On m'a dit que ça allait être incroyable. Voilà. Donc, et pareil pour la soirée du 31. Oui. On nous a dit 2-3 trucs, vous verrez, on vous dira en temps et en heure. C'est, voilà, il n'y a plus de soirée privée, non. Entre guillemets, mais apparemment, ça a l'air d'être pas mal. Oui, oui, oui. Oui. Que le Casmember nous a dit. Ouais, ouais, ouais. Ils comptent quand même faire des trucs très, très sympas. C'est enfin, voilà. Bon, et eh ben allez, à plus. Salut.